Oh, les petits sagouins. Un canon, cartouche. Croix de bois, croix de fer. Bonjour. Lui, il s'est dit qu'il allait pas se battre. Hein. Lui, il est en mode nope. Possible de porter davantage de cartouches. Ok, là on est au max. Voilà. Prenons tout ce qu'on peut. C'est important pour la suite. L'amour sous la capuche, un roman d'amour. Waouh. Sont même leur propre bibliothèque Harlequin. Ah oui, ça c'est la... Oui. Pièce par laquelle je suis rentré. Plus blanc que blanc, astuce pour ménagère futée. Ah, l'irrespect est total. Très bien. On va prendre ça là. Visiblement non. Ok, bon bah on a looté ce qu'on a pu. Niveau munitions, ça nous a mis un peu dans le mal, hein, je vous avouerai. On a plus aucune mine là, plus aucune mine là. C'est compliqué. Bon, heureusement, on y reste encore des munitions de fusil. Alors, j'ai un nouveau lieu à aller voir. L'adresse du repère, un membre du clan, m'a dit qu'Ebernote Blackwood avait un repère sur Deep Shore Road. Le clan y avait envoyé des engins, mais ils ne sont jamais revenus. Non, mais tout le monde va vouloir me mettre des balles en plus. Je suis sûr que même les autres, là, vu que je les... Même si je viens de les aider, techniquement, ils sont pas au courant, du coup, ils vont vouloir me mettre des balles. Alors, à l'ouest de Grimhaven. Grimhaven, c'est au sud, c'est ça? Oui. Deep Shore, oui, c'est là. Entre Skipper et March. Skipper et March. March, Skipper. Oula, c'est proche d'un truc infecté, hein. J'espère que c'est pas dedans. Mais c'est par ici. On prendra ça et puis on passera comme ça. Très bien. Et donc ici, Blackwood est le professeur, l'élu, l'OED est dangereux. Les membres de l'ordre ont enlevé des gens et pris part à des cérémonies occultes comme le rituel à l'Orion Club. Correspondance entre Blackwood et Doug. Blackwood a un plan. Blackwood affirme vouloir sauver la ville de la démence et Harriet Doug joue un rôle crucial dans son plan. Ça par contre ça ne va pas ensemble pour le moment. Bon, cassons-nous. J'aurais bien aimé quelques munitions en plus, mais bon. C'est la vie. Les petits monstres, il faudra que je les fasse à la main du coup. Est-ce que j'ai accès quelque part à une cabine? Oui. Je tourne là. Très bien. C'est la vie. Donc on va se TP au niveau du port. Et derrière ça, on va partir vers ce fameux repère. En espérant ne pas avoir besoin de trop de munitions. Sinon, on sera dans le mal. Après, il y a lui aussi qui est potentiellement même moins loin. Juste que je prenne la mer. Que je sorte la grand voile.
Prenons-lui, tiens. Pour glisser sous le vent. Alors, qu'est-ce qu'on ferait pas pour retrouver des gens qui nous permettent de retrouver des gens qui nous permettent d'aider des gens qui nous permettent de retrouver des gens? On rappelle qu'on fait tout ça avec Robert à la base, hein. Et que ça fait 15 ans qu'on l'a pas vu. Et encore, on l'a vu un peu plus que de raison parce qu'on a fait toute sa quête autour de sa famille. Par ici. Venez, il y aura sûrement quelque chose qui vous plaira. Ah oui, sûrement, oui. Ouais, si. Ici, c'est mort. Mais si je peux prendre un autre accès... On est bon. Bon, ça a l'air pas mal, là. Oh non, ça sent la barricade, quand même. On va plutôt prendre l'accès encore un peu plus loin. Sait-on jamais. Voilà. S'il y a des gens qui se baladent, on se sent bien. Alors, c'est normalement dans cette rue. Genre là. Tu sauvegardes avant quand même, ça tourne jamais. Hop là. Bonjour. Ah oui, les monstres qui sont apparus avant la cinématique. Ils sont dans ma tête. Ils me contrôlent. Et qui ne m'aime pas. Ah bon? On est bien. Pas de soucis. Que pourrait-il mal se passer? J'espère qu'on va pas nous demander à demander de choisir. Oh! Ah! Oh. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Problème de sanité flagrante. Ah, oh, faites bien. Faut utiliser des munitions sur des hallucinations non plus, hein, faut arrêter. Soupe populaire de Deep Shore, ouverte à tous. C'est la soupe, c'est la soupe. On dirait de la soupe de poisson. Et voilà. L'un de ces lieux doit être sa prochaine étape. Ouais, ça me dit d'aller là-bas. Willy poui papi poui papoui. Oh, ça se loot ça. Cartouche, poudre à canon. Froissé mais propre. Quelqu'un se trouvait ici récemment. Vieux d'à peine quelques jours. Il y a assez de nourriture pour survivre à un siège. Nos amis, les poissons.
Impossible de porter davantage de cartouches. C'est un monde quand même. J'ai encore de la cordite, mais au niveau du fusil, je suis à fond. Froissé, mais propre. Quelqu'un se trouvait ici récemment. D'accord, même conclusion qu'auparavant. Oh, quelqu'un aime s'écouter. Un petit gueuloir. Comme pour Monsieur Rousseau. Possible de porter davantage de cartouches. Bon, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. J'ai trop de cartouches et pas assez de tout le reste. Du coup, je vais aller buter du monstre. On dirait de la soupe de poisson. En même temps, de la soupe d'autre chose, ce serait étonnant. Bonjour. Des cochons. Étonnant. Babe s'est fait dépecer. Y'a rien ici. Au de moi. Ah. Les hallucinations. D'accord. Les murs qui disparaissent. Ils ont été égorgés. Garde-gang. Ils ont été égorgés. Garde-gang. Oh! Pour l'amour du poisson. Ah oui, j'ai accès à la mémoire. Voilà. Allure. Est-ce que j'ai un truc en haut déjà? Oui. Et je vous C'est le dis. L'heure de frapper les faux prophètes de l'ordre et de récupérer la professeure Dao. Les faux prophètes de l'ordre, est-ce que ça veut dire que Jean-Jacques Blackwood, en vérité, serait pas avec l'EOD, là? Genre, il y aurait une succursale dans sa faction? Ici, dans la mer, je n'aurais jamais cru que je serais un jour digne d'un tel voyage. Continuez, je vais parler aux autres. D'accord, ça c'est avant qu'il fasse son petit speech. Éliminez les intrus. Ils n'ont plus aucune utilité. Retrouvez-moi en haut. Il est temps de démêler tout ça. Alors, les intrus ont donné des infos. Éliminez les intrus. Ils n'ont plus aucune utilité. Du coup, il s'est dit, oh, trop bien. On va faire un voyage. Ici, dans la mer, je n'aurais jamais cru que je serais un jour. Et ensuite, il a donné son speech. Tel voyage. Continue. C'est l'heure. L'heure de frapper les faux prophètes de l'ordre et de récupérer la professeure Dao. Blackwood est à la recherche de Harriet Dao. Il a emmené une petite armée avec lui. Je dois juste découvrir où il est allé. Une petite armée. Preuve clé récupérée. On demande mon intervention au palais de la mémoire. Alors on a une carte avec des repères, l'OED est dangereux, l'élu dans la mer, l'OED a planifié l'enlèvement, paf paf. L'OED a besoin de Harriet, l'ordre prépare quelque chose de dangereux et Harriet est essentielle à ses plans. Dans la mer, hop, plongeons dans les abysses, Ebernot Blackwood a emmené ses hommes dans la mer. Un seul endroit de la carte est situé sur la côte et il se trouve au bout de Pembroke, à l'ouest de Salvation Harbour. Une autre vision, j'ai des hallucinations, tout ça. Tout le reste n'a rien à voir. Bon, on a une nouvelle piste en tout cas. À savoir, Salvation Harbour, à l'ouest. À l'ouest, c'est par ici. Au bout de Pembroke. Au bout du bout. Genre là. Au bout du bout de Pembroke.
enlever. Toutes les preuves ont été récupérées. Bon, moi, on n'a pas utilisé de munitions ici, c'est bien. Fier de nous. D'où on est... Ouais, plus éloigné que... qu'un point de voyage rapide. Alors, voyage rapide... Oh, un nouveau point d'ailleurs. Excellent. Tant mieux, c'est vrai que j'étais venu de celui-là, j'avais pas encore eu l'œil. Excellent. On va prendre lequel prendre lui ou je peux prendre lui. Prendre celui-là, tiens. On va retourner dans la mer. La dernière fois qu'on a été sous l'eau, ça s'est plutôt mal passé. Hein. Bon, déjà, on a eu un boss et tout ça. Ça, c'est une chose. Donc, on avait besoin de munitions. Donc, c'était assez compliqué. Mais en dehors de ça, aussi et surtout, on est tombé sur des poissons qu'on n'arrivait pas à battre avec notre harpon. Et du coup, on s'est retrouvé à fuir entre deux geysers, c'était assez assez problématique. Ah mais ici, c'est interdit. Et pourtant, je vais y aller. On va se garder avant quand même. Sans peur et sans reproche. Pour la vie. Tout va bien, je vais bien. J'aime les moulins. Allez, vas-y, on passe. Excellent. Bien joué. C'est la fuite. La fuite par voie de bateau. Voie navale. Encore un gros truc qui flotte là-bas. Hein. Il se passe des choses étranges avec les cailloux. On avait vu déjà un caillou assez remarquable vers le centre de la ville. Et là... Ah non, d'accord, c'était juste un phare qui avait... Ah oui, très bien. Quelques problèmes de chargement. Le symbole de l'organisation. En avant. La marina. Hop. Alors. Ah oui, c'est vrai que... Oh, aïe. Oh, je l'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait des geysers par ici. Allez, on se soigne. Ça commence bien. Ok. Alors maintenant, on a à la fois les geysers et l'escalade à la Skyrim. Allez, allez, on monte. Voilà, félicitations. Nombreux sont ceux qui sont tombés. On va pas passer par là. Interdit. Aïe. J'ai mal. Ok. Aïe. T'as pas la tête. Ok, go. Ça a assez duré. En avant. Oh là là.
Oh, cette escalade.